De Paul Kagame, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero. 115 localités et villages congolais que M. Félix Tshisekedi, par son incapacité, a abandonné entre les mains de Paul Kagame. Ça fait 2 ans et demi que Bunagana, un poste frontalier important, est passé sous pavillon rwandais avec les atouts miniers qui sont exploités chaque jour. Chaque jour, au moins 7 à 10 Congolais sont tués au Nord Kivu, au Sud Kivu et à Nituri. Sans compter 1 million de déplacés internes, dont les enfants, les femmes, les hommes, meurent à cause de diverses maladies. Nous, la Mouka, nous avons pris conscience de proposer que les Congolais s'unissent pour faire face à cette guerre d'agression. Parce que nous refusons que nos enfants et viennent profaner nos tombes après notre disparition pour nous accuser de n'avoir rien tenté, de n'avoir rien proposé quand M. Félix Tshisekedi était en train de voyager et qu'il avait abandonné le pays entre les mains de Kagame. Nous sommes sûrs au moins de 2 choses après la réponse de M. Félix Tshilombo. 1. Apparemment, son camp politique, son regroupement politique n'a pas conscience de la gravité du danger. Ils ne sont pas complètement convaincus que le Congo est au bord du précipice. 2. Félix n'a rien compris de notre proposition patriotique. Nous avions fait la proposition à la nation, à chacun de faire sa part. Nous, la Mouka, nous avons fait notre part. Nous avons proposé parce que nous avons la conscience que le Congo est au bord du précipice. Si Félix pense qu'il n'y a pas de crise, ça n'engage que lui. Mais nous, nous continuerons à appeler le Congolais à se rassembler pour gagner la guerre, mais à se rassembler pour pouvoir faire des réformes qui vont amener le Congo vers des bonnes et des vraies élections. Ici, où nous trouvons aux États-Unis, nous voyons comment les républicains et les démocrates, quand il s'agit de l'intérêt de la nation, eh bien, ils se mettent autour de la table, pas pour partager les postes, mais pour sauver la nation qui est le bien le plus précieux. Pour la Mouka, pour la DD Congo, le Congo ne peut pas être réduit à un gâteau. Le Congo, c'est notre bien le plus précieux, parce qu'il nous rassemble, parce qu'il nous protège. À ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que la solution viendra pour parler entre Congolais. Cardinal Ambongo vient de le dire, le Congo est un État en faillite. Il a dit à marge de la réunion de Saint-Ezidio, le Congo est en faillite, mais Félix a dit, le Congo, tout va bien. Peut-être que c'est un Congo imaginaire, mais le Congo dans lequel nous vivons, tout le monde sait qu'il y a une crise politique, ici de ce chaos électoral, à cause de ce chaos électoral qu'il a organisé. Le Congo est au bord du précipice à cause de son incapacité à sécuriser l'intégrité de notre territoire et sécuriser ses habitants. Nous avons fait notre part, à chacun de faire sa part. C'est le cas de notre pays. 4 territoires entre les mains de Paul Kagame. Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero. 115 localités et villages congolais que M. Félix Tshisekedi, par son incapacité, a abandonné entre les mains de Paul Kagame. Ça fait 2 ans et demi que Bunagana, un poste frontalier important, est passé sous pavillon rwandais avec les atouts miniers qui sont exploités chaque jour. Chaque jour, au moins 7 à 10 Congolais sont tués au Nord Kivu, au Sud Kivu et à Nituri. Sans compter 1 million de déplacés internes, dont les enfants, les femmes, les hommes, meurent à cause de diverses maladies. Nous, la Mouka, nous avons pris conscience de proposer que les Congolais s'unissent pour faire face à cette guerre d'agression. Parce que nous refusons que nos enfants viennent profaner nos tombes après notre disparition pour nous accuser de n'avoir rien tenté, de n'avoir rien proposé
quand M. Félix Tshisekedi était en train de voyager et qu'il avait abandonné le pays entre les mains de Kagame. Nous sommes sur au moins de deux choses après la réponse de M. Félix Tshilombo. Un, apparemment, son camp politique, son regroupement politique n'a pas conscience de la gravité du danger. Ils n'ont pas complètement convaincu, ils ne sont pas complètement convaincus que le Congo est au bord du précipice. Deux, Félix n'a rien compris de notre proposition patriotique. Nous avions fait la proposition à la nation, à chacun de faire sa part. Nous, la Mouka, nous avons fait notre part, nous avons proposé, parce que nous avons la conscience que le Congo est au bord du précipice. Si Félix pense qu'il n'y a pas de crise, ça n'engage que lui. Mais nous, nous continuerons à appeler le Congolais à se rassembler pour gagner la guerre, mais à se rassembler pour puisse avoir fait des réformes qui vont amener le Congo vers des bonnes et des vraies élections. Ici, où nous trouvons aux États-Unis, nous voyons comment les républicains et les démocrates, quand il s'agit de l'intérêt de la nation, eh bien, ils se mettent autour de la table, pas pour partager les postes, mais pour sauver la nation qui est le bien le plus précieux. Pour la Mouka, pour la DD Congo, le Congo ne peut pas être réduit à un gâteau. Le Congo, c'est notre bien le plus précieux, parce qu'il nous rassemble, parce qu'il nous protège. À ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que la solution viendra pour parler entre Congolais. Cardinal Ambongo vient de le dire, le Congo est un État en faillite. Il a dit à marge de la réunion de Saint-Ezidio, le Congo est en faillite, mais Félix a dit, le Congo tout va bien. Peut-être que c'est un Congo imaginaire, mais le Congo dans lequel nous vivons, tout le monde sait qu'il y a une crise politique. Ici de ce chaos électoral, à cause de ce chaos électoral qu'il a organisé, le Congo est au bord du précipice à cause de son incapacité à sécuriser l'intégrité de notre territoire et sécuriser ses habitants. Nous avons fait notre part, à chacun de faire sa part.